la Bretagne, c'est nous. Ça pose toujours un problème de soulever un corps en un seul morceau. Apparemment, la meilleure façon de procéder est de découper le corps en 6 morceaux et de les mettre en tas. Une fois que vous avez vos 6 morceaux, il faut vous en défaire rapidement parce que votre maman ne serait peut-être pas très contente de les trouver dans le congélateur. Il semble que la meilleure façon soit de nourrir les porcs avec. Il faut les mettre à la diète quelques jours. Pour un porc affamé, des morceaux de calabre, c'est du coq au vin pour un poivreau. Vous devez raser la tête de vos victimes et leur arracher les dents. Ce sont les seules choses que les porcs ne digèrent pas. Vous pourriez les récupérer après, bien sûr. Vous n'avez pas envie de fouiller dans la mer de cochon, je suppose. Ils dévorent les os comme du beurre. Il vous faut au moins 16 porcs pour finir le travail en une seule fois. Aussi, je vous conseille de vous méfier des types qui élèvent des porcs. Parce que ces bestiaux sont capables de venir à bout d'un cadavre de 100 kilos en moins de 8 minutes. Ce qui veut dire qu'un porc peut engloutir en moyenne 1 kg de viande crue toutes les minutes. D'où l'expression. Se voit frais comme un porc. Quelqu'un veut bien me dire qui vous êtes.